Yo les trashers, salut à tous, c'est Fildrong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Pokémon Uranium avec notre équipe complètement à l'agonie. Mais on a battu quand même le dernier badge, hein, la dernière arène. On a officiellement tous les badges, ça y est, c'est fait. Donc je sais pas ce qui nous attend, ça fait 17 heures de jeu déjà. Donc on n'a plus qu'à ressortir de cette zone et aller voir ce qui se passe. Aller au centre Pokémon nous soigner déjà. Et ce sera pas mal. Donc on va aller se soigner. Un coup de fil, ça m'étonne pas. Professeur Bambou. Bonjour Bambou. Fifou, hey, est-ce que c'est vrai? Tu as eu tous tes badges? Oui, tu as battu Keito Hinata. Waouh, c'est incroyable. C'est grâce à ma puissance. Je savais que tu le ferais. Depuis ce jour où tu as quitté mon laboratoire avec ton starter, je pensais... Mais cet enfant est vraiment spécial. Et j'avais raison. Tu es allé plus haut et plus loin que tout le monde l'aurait attendu. Toi et Théo. Ah non, pas Théo, il a rien fait Théo. Qu'est-ce qui est le suivant pour toi? Oui, voilà, Championship. Voilà, on va apprendre, c'est ça. Il y a encore les histoires de nucléaire. Bon. Alors, entre toi et Théo, il y a d'autres compétiteurs. Ah bon? Et ils n'ont aucune chance. Quoi, moi? J'ai travaillé très dur pour trouver une de quoi soigner les Pokémon nucléaires. On ne savait pas encore ce qui se passait, ça va lentement, blablabli, blablabla. Ok, merci. Oh, sorry Fifou, j'ai un autre call. Ça vient du truc des Rangers. Là où il y a mon papa, il y a un truc très urgent. D'accord, je vais te rappeler plus tard. Tu peux me laisser... Je ne touche à rien là. Sérieux, ils ont mis ça dans le jeu? Oh mon dieu! Planquez-vous! Qu'est-ce que c'est? Une explosion nucléaire! J'ai oublié de vous parler du défi du jour, en plus j'ai pas le droit d'utiliser de potions! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le village est sous attaque? J'ai peur! Oh! Bonjour! Restez calme! C'est une menace! Pour votre sécurité, on vous évacue. Allez, venez avec moi. Est-ce que c'était une menace? Je ne vais nulle part jusqu'à ce que je sache ce qui se passe. Soupir. On a une raison de croire qu'il y a une attaque sur la centrale nucléaire à l'est. Oh mon dieu. Pourquoi quelqu'un attaquerait la centrale nucléaire? Oh mon dieu. Assez! Dieu. Oh! On vient de se faire défoncer par Fifou, mais on vient faire les malins. Allez. Les leaders sont là. Écoutez les rangers et quittez l'endroit. On s'en va. Oui, voilà, ils obéissent, c'est bien. Ah oui. Excusez-moi. Le peuple du village n'est pas habitué de prendre des ordres des étrangers. Je me suis amélioré, hein. Je me suis amélioré en anglais. Hein. Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, on sait ce qui... a créé les problèmes aux centrales nucléaires. C'est quelque chose qui l'a fait exprès. Ouh, no shit Sherlock. Ah. Allez, c'est bon, il a soigné mes Pokémon, donc on y va. Oh my god. Y'a Théo. Théo, qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que tu ne t'attendais pas à me voir? Non, parce que la dernière fois que tu t'es retrouvé ici, tu t'es fait défoncer par ton père. Ok. Alors, il y a plein de Pokémon nucléaires sur cette île. On ne sait pas d'où ils viennent. Ok, on va les gérer. Ces Pokémon sont coordonnés. Ils suivent un plan. Est-ce que tu penses qu'ils obéissent à un dresseur? C'est étrange. Bon allez, on y va. Fifou Théo. Je t'ai vu en battle. Je sais que tu es puissant. Ok. Allez, moi j'y vais. On va gérer le problème. Oh, il y a une meuf pour soigner nos Pokémon. Come at me, bro. Oh, Théo. Théo, t'as la classe. Salut, toi. Attends, j'ai pas besoin de me soigner, on est bien d'accord. Ok, je suis chaud. Entre Mega John Michon et Falouz. Falouz, est-ce que tu es avec nous?
Tu sais pourquoi les gens de Hiroshima n'ont jamais témoigné sur le nucléaire? Parce qu'ils sont tous morts. Je dirais bien enfuyons-nous mais c'est trop tard, on mourra d'un cancer dans 10 jours de toute façon. Ah mon dieu! Merci Arceus, tu es là! Ces Pokémon sont très puissants! Non! Ils sont partis, ils ont arrêté d'attaquer, ils sont partis où? J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi j'ai un mauvais pressentiment, patron. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a dans le dans la nuque? Oh, oh mon dieu! Ça fait vert et bleu. On recule. C'est une centrale nucléaire. C'est une centrale nucléaire, mais cours pour ta vie, mec. Casse-toi, putain, tu vas te faire nuque. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, explique-moi ce que c'est. S'il vous plaît. L'uranium est parti. Où est-il? Toi! Ah non, toi, arrête-toi, juste où t'es. Oh mon dieu, la taille du Pokémon. En tant que chef des Rangers de Tordor, je t'ordonne de t'arrêter. Trois petits points. Identifie-toi où nous allons attaquer. Non mais non, on n'attaque pas un Pokémon qui fait 3 mètres de haut et qui est ouvert juste après l'explosion d'une centrale nucléaire. Il y a des choses dans la vie qu'il faut respecter. Nous sommes Curie, nous sommes Urain. Écarte-toi ou fais face à ta mort. Oh mon dieu, c'est lui qui attaque les power plants. Tu es en état d'arrestation. Peut-être que tu nous as mal entendu. Maintenant tu vas souffrir. Urain, utilise Half-Life. Half-Life 3. Oh non. Mais moi j'ai rien demandé moi. Il a du radiation poisoning. Vous êtes faible. Vous ne pouvez pas voir le pouvoir qu'on contrôle. Il n'y a aucun espoir que tu puisses gagner. Oh mon dieu, les Pokémon. C'est lui qui les commande. Oh mon dieu. Tous ceux qui nous opposent seront rasés. Mais non, mais ma barbe. Enfin, seront érasés. Éradiqués. Bon, allez, il faut qu'on s'en aille. Oh mon dieu. Hugues, je peux pas. Je ne peux pas laisser mes rangers mourir. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On a besoin de plus d'uranium enrichi. Est-ce que c'est pourquoi tu as attaqué les centrales nucléaires? Putain, mais il est trop intelligent ce mec, il vient de comprendre. Notre pouvoir est trop puissant. Non mais moi j'y vais, hein. Allez, tu as détruit des Pokémon. Je vais, voilà. Allez, vas-y, fonce, Slimane. Comme c'est amusant, oh, c'est même pas un dresseur et il va nous opposer. Oh. Moi je suis un... Atomic Punch. Il va faire Atomic Punch. Et l'autre il a son... Mais oh, attends, c'est mon père. Ah non, c'est Cameron. C'est le père de Théo. Toi, impossible. On pensait qu'on t'avait tué. Tu avais mal pensé. Maintenant, vous êtes trop en retard. J'ai enlevé l'uranium de cette centrale nucléaire. Tu ne le trouveras jamais. Je te regardais en secret. J'ai trouvé ta faiblesse. Non. C'était un piège. Et tu as marché dans le piège. Maintenant, tu vas payer pour les crimes. Je ne peux pas le croire. Cameron, c'est toi qui nous avais donné les indices. Papa est vivant. Oh, tu as peut-être un Pokémon légendaire à tes côtés. Mais ça ne veut pas dire que tu vas gagner. Je t'ai regardé. Quand je te défaiterai, tout le monde sera poussé. Oh mon dieu. Sans pouvoir? Non. Tu oublies. Nous avons un nombre infini de Pokémon uraniumisés. Pour ton insolence. Ok, il va nous détruire. Bon, on fight un jour. Allez, c'est parti. Ouais, moi aussi je vais t'aider. Théo, qu'est-ce que tu fais là? C'est trop dangereux. Non. Oh, cet enfant, est-ce qu'il est important pour toi? Oui. Sa souffrance te causera beaucoup de souffrance. Ah. Et nous allons le tuer juste devant toi. Non, Théo. Sentimental, idiot. Maintenant, tu vas payer le prix. Oh mon dieu. Si tu essayes de revenir. Oui, bon, d'accord. Et il veut qu'on lui donne de l'uranium. Allez. Et toi, vous paierez tous. Quantum Leap. Ah, mais ils sont partis.
Papa! Papa? Oui, Théo. Tu m'as sauvé! Cette attaque allait me tuer! Tu as sauté dans l'attaque! Papa! Je viens de me rendre compte que t'es vivant et... Est-ce qu'il est mort? Il est encore vivant! Emmenons-le à l'hôpital! Alors, je ne suis pas médecin, mais il me semble que quand t'as été uraniumisé ta gueule, tu vas juste avoir un cancer et mourir dans une semaine. On est bien d'accord, ça marche comme ça. Allez. Oui, oui. On doit aller. Oh, 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 lui aussi. Oh là là, Kelly. Mon papa aussi! Papa, non! Allez, c'est parti. On doit y aller. Le professeur, il sert à rien. Ok. Oui, il a été affecté par la radiation. No shit, Sherlock! Les trucs nucléaires ont explosé devant nos yeux. Moi aussi, je vais mourir. Tu crois? C'est le nuage radioactif qui évite la France. C'est ça, quand il y avait eu Tchernobyl. Tu crois? J'étais à 10 cm de mon père. Est-ce que tu penses franchement que j'ai pas été affecté? Putain, quoi. Pokémon, quoi. Tu peux fly? Oh putain, ça fait... Enfin, j'ai fly. Ah, il avait oublié de nous donner de nous les vols. Merci. Super. Il faut aller à Bilbit City. Non, mais je vais... Ok, merci. Oui. Allez. Oui, 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 oui. Pourquoi il se cache? C'est très étrange. Là, 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 là. Moi, je veux juste... Non! Fils de pute de ta mère, la pute, putain. C'est pour t'empêcher d'aller dedans. En fait, le papa était un agent infiltré. Et en fait, le mec en vert était le méchant. Oh mon dieu, on l'avait pas vu venir, dis donc. Pokémon Uranium, c'est vraiment super. C'est là! Théo! Finalement, Fifou! Ok. Tu es prêt à y aller, Fifou? On va dans la zone nucléaire. Ça va être très dangereux. Oh mon dieu, ça lag. Oui, j'ai pas peur. Oui, on y va, allez. Moi, je veux juste fighter, là. Ok, c'est Kéline. Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend bien. Nous sommes en route pour Lazard Zone. Est-ce que Théo et Fifou sont là? Oui, ils sont avec moi. Ok. Il faut que... On va trouver des Pokéballs. Des Pokéballs expérimentales pour les Pokémon nucléaires. Ah, les Nuclear Balls, oui. La Hazard Suite. Ah, trop bien, je vais être dans une... Oh mon dieu, ça va être très bien. Oh, j'ai trop hâte. Oui. Mais ça, j'ai vu tout à l'heure. Bla 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 bla. J'explique comme c'est de la merde. Oui, ça protège. Ils expliquent pendant un quart d'heure. Juste, c'est un truc qui t'empêche de prendre les radiations. Quand même incroyable. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on doit infiltrer la power plant. Oui. Kisht. Parfait, let's go. Oh mon dieu, je suis tellement beau. Je peux plus courir. Ça, c'est chiant. Ah, on y va. A plus, Théo. Est-ce que vous nous entendez? Ouais. Ah, on y va. Et tu vas être attaqué, oui. Allez, on y va. Oh mon dieu. Non, mais je vais pas t'aider à tuer les Pokémon. Hein. Rien à foutre de ta vibe. Je veux juste avancer. Bonjour Théo, qu'est-ce que tu fais là? Allez. Tu es très lent, mais tu as l'air cool. Oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'a pas l'air d'un autre Pokémon nucléaire. Ah, il s'enfuit. C'est extrêmement... Oh mon dieu! Derrière toi! Ils sont trois. Ah non, j'ai eu peur. Ah, c'est un dresseur! Marrant. Ta ta ta... Sudden Strike. Tu vas surtout prendre mon séisme dans la gueule. Voilà, allez, Norage. Hein. Oh!
Oh là là, le vent violent. Wouhouhou. N'importe quoi ce... N'importe quoi cette attaque. Oui. Merci beaucoup pour ce moment. Ah non, ils en ont... Mais si vous voulez vous faire défoncer par mes séismes, j'ai zéro souci les mecs. Hein. Ça ne me dérange pas. Je vais pas pleurer. Allez. Hop. Ah merde, ça l'a pas tué par contre. Tu peux pas... tu peux pas faire mégaphone comme tout le monde. Allez, John Michon. Putain, ils en ont combien, là? En fait, c'est une horde de Pokémon qui nous attaque. Bon, allez, il est l'heure d'évoluer et de faire un... De défoncer. Méga John Michon. Je peux le faire. C'est vrai que je peux pas utiliser de potion, il faut que je fasse bien attention. Si tu pouvais arrêter de... le rough skin. Allez, à demain. C'est bien parce que je prends... Mais attends, mais il rate jamais ses attaques. Ouh. Encore. Ah, il avait 6 Pokémon. La horde. Est-ce que tu crois qu'il va me donner... Ce serait marrant qu'il me donne des... A few moments later... Allez, on avance. On y est. Voilà, la nucléaire plante. Ah, l'air est difficile à respirer. Bah oui. Théo, il a juste un masque à gaz, ça va être chaud. Hein. Allez, on y va. Tu es arrivé, oui. Allez, c'est parti. Il doit retourner au bateau. Oh non, mais j'avoue, j'avais besoin de lui soigner mes Pokémon sur un jour où je pouvais pas utiliser le truc. J'ai besoin que tu rentres et que tu laisses les autres gérer. Ok, allez. Théo, tu désobéis les ordres de ton chef. J'ai besoin que tu t'en ailles tout de suite. Tu veux finir comme ton père? Je dois le faire pour Cameron, pour mon père. Laisse-moi aller avec eux. Théo, tu ne comprends pas. Ta protection des radiations ne sera pas suffisante. Bah oui. Tu ne peux... Bon, allez. Oh mon dieu. Attention. Les niveaux de radiation sont en train de monter. Oh mon dieu. On a besoin de sortir. Oh mon dieu. Oh ça y est, on est foutu. On est mort. Bonjour. S'il vous plaît. C'est Urane. Oh merde. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a tués, on est mort. Qu'est-ce qui se passe? 3 petits points. 3 petits points. 4 petits points. 5 petits points. Où suis-je? Oh non. Quoi? Rebooting Vital Support. Support System Online. Oh mon dieu, il m'envoie... Hello, Fifu. C'est l'interface de ta... De ton Hazard Suit. Fonction préservation de la vie. Diagnostic de vie. La toxicité du sang. Bien. Ok, on est... Théo. Rebooting Navigator, Reboot Failed, Rebooting Combinator, Reboot Failed, Power Low, Rad Shielding 20%, Power Cell is Needed, j'ai besoin de trouver Théo, il faut tuer Curie, ok, a Power Cell is Needed, ok. Oh mon dieu. Oh, comme je déteste Pokémon Uranium. Je me traînais déjà le rival, mais maintenant c'est encore pire. Je suis dans une centrale. Je peux pas utiliser de potions. Je vois que dalle, ça me fait trop chier. Et en plus j'ai pas de repos.
Uranium, mais quel jeu de merde! J'suis pas un clown, bordel! J'en peux plus tous les deux, pas un truc. En plus, je vois rien. Le dev est un sagouin. Il a ruiné mon expérience de jeu. Ok, putain. Je sauvegarde. Après phase de dialogue de 10 minutes, sûrement, putain, j'espère. Is. Clic. Intense radiation. Ok. J'ai 5 minutes. Oui, je suis prêt. Allez, on y va. J'en peux plus, j'y vais. C'est parti. North Sector. 5 minutes. Oh mon dieu, j'ai un temps limite. Tu te fous de ma gueule? Oh, il y a un puzzle maintenant. Non! Mais non, mais ça compte dans le truc, putain! Ok, gauche, 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 gauche. Non, c'est pas gauche, c'est droite. Ici à Pokémon Trash, nous avons envie que vous gardiez votre santé mentale. C'est pourquoi les 10 prochaines minutes du Let's Play ont été coupées. Merci. Tout en haut. C'est ça un pont? Mais c'est pas un pont pour moi. Oh putain, je l'ai fait! Je l'ai fait! Je l'ai fait! Putain, c'était ça un pont! Allez, est-ce que ça fait mal? Je m'en fous. Je te défonce, mec. Je vais tellement... Je vais te mettre dans ta gueule tout ce que je peux te mettre. J'en peux plus! Je m'en fous de ce que t'as fait à Théo. Je veux juste te défoncer la gueule. C'est tout ce que je vais faire. J'ai aucun autre objectif dans ma vie maintenant que de défoncer ta putain de gueule de merde pour m'avoir fait subir ce que tu m'as fait subir. Tu vas... Je vais te... Tes Pokémon nucléaires, je vais te les enfoncer avec le fist, ok? Je vais prendre un bulldozer, je vais te l'enfoncer dans le cul, d'où il me dépasse. Quoi? Il a une vive attaque de type nucléaire, le mec. Enfin, j'ai déjà perdu un Pokémon, quoi. Mais putain, d'où ils ont des... D'où il a une putain de priorité de merde, là, ce connard. On va faire la technique Yolo Biscotte. Il faut que tu saches. Oh non, il a été utilisé parce que c'est une seule utilisation. C'est vrai, j'avais oublié. Qu'est-ce que c'est que ça? Fonce. Mais d'où il est rapide comme ça? Il dépasse toute ma team. Bon, ok, super. Non mais attends, comment il fait pour dépasser John Michon qui a genre 150 de basse vitesse? Je peux plus méga évoluer. Il a vive attaque de type nucléaire. Qu'est-ce que je fais? Il a vive attaque de type nucléaire, je vais perdre. Non, ça va, je l'ai brûlé. J'ai peut-être une chance. Il a vive attaque de type nucléaire, le fils de pute de merde. Fils de pute, quoi. Je vais devoir tout refaire. J'ai plus ma méga en plus. Je peux même pas utiliser les potions. Bon allez, là je devrais pouvoir tanker l'attaque du coup.
Ouais, j'ai tué un Pokémon. Ça tue pas. Oh, il a raté son Proton Beam. Putain, je savais pas qu'il y avait des histoires de... comme ça. Bref. Je savais pas qu'il avait Vive Attaque. Allez, John Michon. Putain, je peux pas méga évoluer, ça fait chier. Barriette. J'y arriverai jamais. Oh, il est plus rapide. Méga barriette. Non. Oui. Oh, c'est bande au choix. Bande au choix. Il a eu rain, ça y est. Falouze, tu m'as aidé, mais... Oh, ça fait baisser l'attaque spéciale. Attendez, je lui ai dit... Attendez, je lui ai baissé son attaque spéciale à Donf. Si je revis un Pokémon rapide... Genre, qu'est-ce que c'est que ça? Non, Echalotine, il est rapide. Ah, mais avec 10 niveaux de différence. Ça risque d'être complexe. Si tu perds, je rigole. Si je perds, je rigole. Moi aussi, je rigole. Allez, pourvu qu'il tente la Proton Beam. Oh mon dieu, ça lui inflige 0 dégâts. Il peut peut-être rater une attaque. Attends, il est à moins 2, il est à moins 2. C'est comme si c'était neutre, les mecs. Abusé. Si j'avais eu mon méga Archilège, j'aurais pas dit, mais... Non, je lui ai donné mon argent, c'est ça qui est drôle. Cent ans d'ovaire nucléaire et ils ont jamais... Game over. Il relance... Non, il relance le jeu. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, allez vous abonner à ma chaîne, allez vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash.